Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du marketing relationnel et pourquoi cela paraît compliqué pour la majorité des gens. Pourquoi le marketing relationnel paraît compliqué pour la majorité des gens qui essaient? Il y a deux raisons principales. Elles se concentrent sur le mauvais objectif ou alors elles utilisent une méthode obsolète. Dans le marketing relationnel, il y a deux façons de dégager un revenu, vendre les produits ou le concept, soit recruter de nouveaux distributeurs. Alors effectivement, il y a le mauvais objectif. La majorité des entreprises donnent des marges assez importantes sur la vente des produits. Mais voilà, pour donner cette marge à leurs partenaires, les prix de vente sont généralement assez chers. Il est donc plus difficile de les vendre, même s'ils sont de qualité supérieure. Cette partie de l'activité n'est autre que de l'affiliation en fin de compte. La société avec laquelle je suis partenaire n'applique pas des tarifs exorbitants pour les produits, car ils utilisent des ingrédients de l'endroit où se situe l'usine de fabrication. Tout est fait sur place, pas d'intermédiaire, donc frais réduits. Or, c'est une entreprise familiale et je trouve le principe intéressant, car les prix restent abordables et donc concurrentiels. Mais cela n'empêche que c'est pas forcément le bon objectif. Alors la méthode, voyons cette méthode obsolète. Oui, car la méthode utilisée par toutes les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle de vente utilise la même formation avec la même méthode, obsolète. J'ai testé plusieurs sociétés dans des domaines très différents et toutes vous proposent la même méthode qui fonctionne mal pour ne pas dire qui ne fonctionne pas. Même dans la société où je suis depuis 2006, la méthode est la même et ils la proposent dans leur formation pour les nouveaux partenaires. Alors comment faire pour réussir à avoir plus de succès? Je vous explique tout dans une série de 5 vidéos que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien qui se trouve au-dessus, en dessous, je ne sais pas. Regardez. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous en dirai un petit peu plus.